Yo tout le monde, on se retrouve pour la partie 2. Alors, toutes les moules, on va les séparer. Donc, tac, on prend le couteau, on ouvre là, on coupe, tac. Et voilà, on a un peu de jus, on va tout racler. Voilà, tout racler, toute l'eau. Tac. Toute la moule, on l'enlève en fait directement de la coquille. Pour avoir juste le verre et après on casse. Voilà, là j'ai le petit verre tubicole qu'on va les relâcher plus tard dans la vidéo. Voilà, et ça je vais faire avec toutes les moules qui ont un verre ou un autre ou des bananes. Là par exemple, tac, on vient enlever tout. Parfait. Oh là, elle est parfaite, juste un tiré. Et de toute façon, le reste de la chair, c'est les bigorneaux qui vont le bouffer, vu que ça va aller dehors. Hop là, voilà. Voilà, parfait, vous voyez. Petit bout, tac, parfait. Essayez de faire le moins. Oh, bah, elle était déjà détachée. Donc voilà. Tac, tac. Purée de pommes de terre, c'est compliqué à casser. Ah, voilà. Petit bout de moule de nouveau. Donc le reste, vu que c'est mort, on va le jeter. Alors, tac. On va vider toute la moule. Voilà, parfait. Tac, tac. Ah, je vais laver après le sol. Hein, parce que après tout le jus de moule, ça va pas aller. Hop là, on va essayer de la casser. Je vais essayer. Hein. C'est pas dit que j'arrive sur celle-ci. Hop là. Des fois, elles sont trop bien. Elles sont bien. Ah là, là j'arrive peut-être à la casser. Ah, j'arrive vraiment pas. Celle-ci, je pense. Donc, je me fais mal au doigt. Bon, alors, celle-ci, on la laisse comme ça. Voilà, si jamais. Voilà, bref. Quand elles sont bien fermées, par exemple, celle-ci, elle est bien vivante. Vous la poussez un tout petit peu contre vous. Comme ça, il y a une petite entaille qui va se faire. Et là, on va trouver un espace. Et on va pouvoir couper. Alors voilà. Tac, je vous passe les détails de comment vider une moule. Voilà. Alors, tac. Et au moins, ça sent bon la mer. J'apporte la mer en Suisse. Voilà, on a ici le petit verre. Voilà, prochain. Voilà, on vide bien tout le côté de la moule. Voilà, parfait. Tac. Voilà. Petit verre tubicole. Aïe! Ouah. Ah mince, ça saigne. Ouah, il faut pas que ça s'infecte. Attendez, je reviens. Donc, voilà. Des choses qui arrivent. Donc là, on est 3 minutes plus tard. Quoi. Et puis, je me suis bien coupé. Bon, bah, c'est pas grave. Ça arrive. Voilà. Je vais faire ça délicatement. Et je vais laisser la coquille, je crois. Maintenant, j'ai compris que les coquilles de moule, ça coupe. Conclusion de la vidéo, je pense. On va partir sur ça. Alors. Tout couper. Voilà. Tac. Parfait. On va tout vider là. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon, ça a l'air d'aller. Voilà, vous voyez, on a la petite coquille, c'est tout bon. Allez, je finis la vidéo. Allez, j'ai encore la force. Merde, elle vient de se fermer. Oh, elle fait chier. C'est avec une main à moitié. Hop là. Voilà, parfait. Alors là, c'est là. Toi, je vais t'avoir comme ça. Allez, viens là. Viens. Voilà. Tac. C'est parfait. Tac. Voilà, voilà, voilà. C'est tout bon. On a réussi. Maintenant, on a la petite banane. Voilà. Là. Et les autres verres. Il y a lui. On prend sur le côté, comme d'habitude. Tac. On coupe.
comme ça. Parfait, il y a un petit bout de coquille. Ah, bah là, il y a tout qui s'enlève, c'est parfait même. Et là, on peut carrément essayer de la séparer. Comme ça. Ah, bah c'est vidé complètement. Voilà, donc le reste de moule, on va le mettre dans la poubelle compost. Et puis vous voyez que même là, on croit que il y a que de la mort, bah il y a quand même de la vie. La vie, comme dans ce qu'ils disaient dans Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. Voilà. Petite référence culturelle du moment. Donc maintenant, on va tout essuyer et on va les mettre ça dehors. À tout à l'heure pour la partie 3.